Donc voilà, vous allez pouvoir voter pour ce live spécial 1000 abonnés, pouvoir voter la carrière en live. Vu que vous êtes les premiers, bah, vous allez pouvoir voter. Au moins, c'est vous qui allez pouvoir voter. Au moins, pendant toute l'année jusqu'à Pro Cycling 2015, on va faire cette carrière. Donc, on va vraiment beaucoup avancer. Et puis voilà, au moins, vous pourrez voter pour cette carrière. Et puis voilà. Alors. Donc, attendez, je vais déplacer le micro pour voir vos commentaires un petit peu plus. Un petit peu plus, parce que là, mon écran, il est un petit peu loin de mon ordi. Enfin, voilà. Alors. Oméga, ok. Méga, t'as raison, hop là. De quoi? Alors, Oméga. Yaouran the best, ok. En plus, dans ma carrière, comment ça s'appelle, perso, j'ai pris la Oméga, donc au pire, ce sera mieux pour moi, hein, vu que déjà je connais très un petit peu tout. Oméga, Bonen, Saxo. Oméga, bah, je pense qu'on va prendre Oméga vu que vous êtes plusieurs à me dire ça. Au pire, vous inquiétez pas, on va recruter, on va faire tout ça dans cette carrière. On a toute une année, donc au pire, voilà. Oméga, please, ok, non, non. Ok, mais déjà, hop là, je redéplace le micro. Hop là, ça, tu dégages, hop là. Nickel, je suis un petit peu de place. Allez, on va prendre la Oméga. Écoutez, vous voulez la Oméga, on va prendre la Oméga. Saxo, Contador the best, il veut Saxo, ben moi je vote aussi pour Saxo. Sauf que deux Saxo contre au moins plusieurs Oméga, voilà. Mais bon, on est trop fort, c'est Oméga, ok. Bah ouais, on va prendre Oméga et puis voilà. Alors, solo, c'est parti. Alors, pour la carrière, on va se mettre en normal, vu que déjà, ma carrière avec Omega perso, je suis à peine allée à Paris-Nice. Donc voilà, je suis à un ou deux jours de Paris-Nice. Enfin voilà, je suis à Paris-Nice quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est ça, c'est chiant. Évolution des caractéristiques, on va mettre 1. Coefficient des primes de course à conseiller, 1. Bon, bah, on va mettre 1. Écoutez, ça, on va laisser comme ça. Mais l'évolution des caractéristiques, on va mettre 1. Au moins, c'est bon. C'est nickel. Merci HD, merci HD. Contador, mec. Bah, excuse, Contador the best, mais bon, au moins, voilà. Et voilà, bah de rien, allez. On se met en normal, ok. Carrière, c'est parti. Attendez. Annuler. Je regarde bien si j'ai pris la FCD. Ouais, FCD, c'est bon. Donc, ils me disent de mettre 6 en graphisme, oui. Sauf que je mets à peine 3 parce qu'avec le live et tout. J'ai pas envie que PCM bug et tout ça, du coup, bah, je laisse comme ça. Et puis voilà, je pense que c'est le mieux. Puis de toute façon, de 3 à 6, il y a pas mal de différences, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, le principal, c'est le gameplay et tout ça. Allez. Carrière. Ok, c'est parti. Donc, Oméga, ben, on va jouer sur tous les tableaux. Hein. Tous les tableaux. Kato le sprinter, VS. Non. Kato le sprinter, vous êtes sérieux, Contador la légende. Non, non. Ok, non, non. Ben, merci à vous, ça fait plaisir, merci. Alors. C'est où là, Oméga? C'est là. Hop là, nickel. Donc, sprint, pavé, contre-la-montre, grimpeur, enfin, course par étape, pavé, très bon Thomas de Gent, sprinter, pavé, sprinter, bon backlance comme Thomas de Gent, très complet, Merseman, bon puncher, bon sprinter, Pulse, bon grimpeur, enfin, Alaphilippe, qui est vraiment bon. Ok, allez. Pas grave, on s'en fout tant que c'est toi qui joues. Ok, ben merci à toi. Contador the best, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Allez.
Donc je joue un fenêtré, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu, enfin vous devez pas le voir quoi tout simplement. Et je joue un fenêtré. Donc déjà là, quand ça charge, la PCM qui bug. Donc voilà. Alors. Il y a PCM qui bug, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va attendre un petit peu. T'as pris Cavendish. Bah, si on a pris l'Oméga, il y a Cavendish. Forcément. Hop là. Ok, c'est bon. C'est nickel. Donc, on va bien tout faire. Vraiment. J'hésite à me mettre en plein écran, ce sera peut-être un peu mieux pour moi et pour vous. Mais bon. Hop. Je vais me mettre. C'est où? C'est là, ok. Je vais me mettre en plein écran. Hop là. Plein écran. Ok. Ok, mais dans tous les cas, on devra redémarrer le jeu. Donc au pire, si je redémarre le jeu, je dois redémarrer le live. Donc au pire, non. On s'en fout. Et voilà, on laisse comme ça. Voilà. Ok. C'est parti. Backland chez AG2R, il est en cours chez Omega. Ah ouais, Backland chez AG2R. Ça, je savais pas. Et en plus, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est bien pour AG2R. Allez, on est parti. Donc là, par contre, je vais pas trop regarder vos commentaires, malheureusement, parce que voilà. Alors, ok, bienvenue dans notre équipe. Hop là, nickel. Alors, on va tout supprimer. Nouvelle, rien. Sponsor. Allez. On va faire un petit peu tout ça. Déjà, grâce à la FCD, il y a les vrais équipements spécialisés, Zip, Stram. Donc c'est plutôt cool. Alors, avec la Omega, ça, c'est quoi comme truc? Pavé, on va viser premier. Tirreno Adriatico, on va laisser troisième. Parce que voilà, on va laisser troisième. Milan serait mon premier, ok. Ça, premier, 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 premier. Paris-Roubaix, premier. Moi, Paris-Roubaix, juste premier. Hop là. Ouais, c'est ça, Paris-Roubaix. Premier, 40 000 de plus. Lens-Bastogne-Liège, ouais. Bon, on va laisser comme ça. Après, Giro d'Italia. Premier. Au niveau du Tour de France, top 10, non, on perd. Top 5, c'est bon. Top 3. On va viser top 3 sur le Tour de France. On va viser top 3. Ineco Tour, ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Je sais pas, plein écran, STP, non, non. Non, mais t'en cours, c'est barré. Non. Ok, bref. Donc, je pense que c'est tout au niveau des trucs. Premier, premier, top 3. Enfin, voilà. Premier, premier, top 3. Non, non. Et là, Lombardia. On va aussi viser un top 3. Voilà, nickel. Ineco Tour, premier. Et ça, bah, premier aussi. Enfin, voilà. Et puis voilà, je pense que c'est bon. Paris-Roubaix, premier, j'ai dit. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est bon. Après, bilan financier. Donc, masse salariale, ok. Salaire du personnel. Donc, au fur et à mesure du temps, on va perdre un petit peu d'argent. Mais bon, ça, c'est normal. Tu vas faire Tour de France sur PCM? Non. Enfin, je vais le faire dans la carrière, le Tour de France. Alors après, équipe nationale. Ok. Effectif. Donc voilà, au niveau de l'effectif. Forcément, on a une sale équipe de malades. Voilà, clairement. Oh là là, au niveau pavé, qu'est-ce qu'ils sont forts. 80, 80, 81, 82. Même s'il faut, on peut sacrifier un équipier qui l'attaque et tout. Enfin, on verra bien. Enfin, bref. Après blessure, personne, ok. Bref, au niveau du programme. Ok, donc au niveau du programme.
Moi, ce que je fais toujours, c'est que j'enlève tous les trucs qui sont de Division 2, enfin voilà, qui sont pas des World Tour. Et après, je vais rajouter ce qui m'intéresse et puis voilà, hop là. Hop là. Donc le début, c'est toujours chiant, mais après, dès qu'on est parti dans l'année, là, c'est le plus intéressant. Hop là. Hop là, hop là. Dites-moi si vous entendez beaucoup le bruit de la souris, parce que ça doit être énervant. Énervant, excusez-moi, d'entendre pendant 2 heures le bruit de la souris. Alors. Hop là. Ok. Hop, hop, hop. On enlève tout ça. Alors. Alors, oui, c'est ça ce que je te disais, tu vas avoir le temps de le faire. Ah oui, fais le tour du Qatar avec Kav et Bounen. Non, ça va, non, c'est rien, ok. T'inquiète pas, ok. Bah alors, c'est cool. Alors. Allez. Nickel. C'est bon. Maintenant, on va pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire, quoi. Ok, donc déjà, merci à tous ceux qui sont là, ça fait plaisir. C'est vraiment cool. De votre part, allez. Maintenant, on va pouvoir faire notre petit calendrier. Donc voilà. Déjà, il va pas falloir prendre trop de courses directement parce qu'après, ça va être compliqué. Là, déjà, il y a un petit bug là, ok. Parce qu'après, sinon, ils vont être fatigués et tout. Il va falloir bien les préparer et tout ça. Allez, c'est parti. Déjà, tout ce qui est World Tour, on a inscrit, donc c'est principal. Alors. Hop là, ok. Donc ça, déjà, bon, on va laisser. World Tour, ok. Alors, Tour de Saint-Louis. Alors, hop là. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Ouais, on va s'inscrire. Tour de Saint-Louis, c'est parti. Après. Non, après, c'est des petites étapes comme ça, non, qui servent un petit peu à rien. Enfin, voilà. Je vais pas dire qu'ils servent à rien, mais bon. Voilà, quoi. Alors, l'étoile de Bessèges. Ok. Ils appellent ça une étape vallonnée, alors que ça, c'est une étape de plat. Eh bien. Ouais, ça peut être bien pour Tony Martin ou des étapes vallonnées contre la montre à la fin. Donc on va s'inscrire rien que pour la préparation. Après, Dubaï Tour, c'est quoi? Contre la montre, plat. Ouais, plat monté, hein. Et plat. Au pire, celui-là, on peut faire avec Cavendish. Après, contre la montre. Ok, c'est du plat ça. Plat, plat, vallonné. Ouais, mais non. Donc, du coup, non. Tour du Qatar, je sais que c'est tout plat. Chaque étape, c'est tout plat. Donc, ça, forcément, on va mettre Cavendish. Même si Cavendish, si on le met sur Dubaï Tour. Ouais, c'est bon, vu que ça finit le 8-02 et là le 9-02. Au moins, Cavendish, il sera en forme, il aura un bon rythme. Donc voilà. Aussi. On va mettre aussi genre des courses qu'on simulera rapidement pour essayer bah, que mettre des coureurs les plus faibles quoi. Hop là, d'accord. Pour mettre les coureurs les plus faibles parce que sinon après ils vont faire aucune course. Donc hop, hop. Voilà, nickel. Après admettons, on va dire ça, allez. Au moins là ces trois courses là, ce sera surtout pour des coureurs qui vont pas faire beaucoup de courses. Tour Down Under avec comme leader Trentin, on verra bien. Razor n'est pas là. Ah bon, Razor n'est pas là? Ah merde, bon. Tour de Saint-Louis avec Katoski, oui, ou Wuran. On verra bien. Allez. Alors, Tour d'Oman. C'est un bon tour, ça, c'est un bon tour. Tour d'Oman, il est plutôt cool. Ouais, Tour d'Oman, on va s'inscrire. On va s'inscrire au Tour d'Oman. Allez, c'est parti, c'est bon.
Après, ça, on va pas s'inscrire, même si c'est pour voilà. Mais non, on va pas s'inscrire parce qu'il va falloir. Ou bien si on s'inscrit, c'est juste mettre des coureurs qui vont pas disputer beaucoup de courses pendant l'année. Du coup, bah voilà. Tu n'auras pas le temps de faire tout ça. Tour d'Oman avec Uran. Ouais, voilà. On fera ça. Et puis voilà. Après, là, comme j'ai dit, on va mettre quelques petites courses pour quelques coureurs. Ouh là là, 89 km et je suis sur le col, c'est plus long que le plat. Ouais, mais bon. Je suis pas très en vie. Alors, après, là, on va laisser tout ce mois. Sauf cette étape-là, on va la faire. Au moins avec un petit Cavendish, on verra bien. Mais cette étape-là, on va la faire. Après, bah, c'est tout. Il y a peut-être quelques étapes de. Non. Hop là, non. Non plus. Quelques étapes de pavé pour mettre en jambes Bonnen et tout ça. Non. Non. Et non. Donc c'est nul. Au pire, on met ce tour juste pour que certains coureurs y aillent. Et puis voilà. Après, pour Tony Martin aussi, ouais, mais non. Non, non, on va pas le faire parce que voilà, il va falloir faire pas mal de stages aussi. Donc, pas trop de courses. Là, au niveau de ça, c'est bon. Étape de pavé, mais bon. Après, nickel. Là. Ouais, bah après, c'est bon. Et après, il va avoir les étapes de pavé. Donc, est-ce que là, il y en a déjà? Non. Non. Déjà, on mettra quelques bons en pavé à faire quelques courses. Au moins pour que ce soit cool. Et puis voilà. Ok, donc du genre, on mettra à faire déjà L. Tu vois. L. Mais on mettra à faire quelques courses à nos pavéeurs. Enfin, si on peut dire comme ça. Au classiqueur. Bref. Allez. Hop là. Là, ça fait déjà 30 minutes qu'on est en live et on n'a toujours rien fait. C'est pour ça, c'est plutôt chiant. On va mettre cette course-là pour les pavéeurs, quoi. Pour tout simplement bah, qu'ils se mettent en jambes pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Donc après le Tour des Flandres, ils feront après peut-être cette étape-là, non. Cette étape-là, ouais. Ouais. Au moins, ils seront prêts pour Paris-Roubaix. Après, c'est tout. Là, il y aura 7 courses. Donc voilà.